Siri regarde. Siri bagarre. Ça reste un style de map qui est assez even, et pour le fantôme, on va dire que c'est pas si mal que ça pour le fantôme ou pour le nerf. C'est vrai que le fantôme va couvrir une très grande partie du stage. Ça va couvrir la très grande partie du stage, on couvre la plateforme avec le fantôme du niveau 4. Mais c'est pareil, quand on veut essayer de zoner, ça va être un peu plus compliqué. Et là, on va commencer à piquer. Setup 8, MVP éponge. Là, on l'a quand même chargé au max. C'est ce niveau-là qui va être assez embêtant parce qu'on peut taper sur la plateforme avec. Mais sinon, pour le reste, il n'y aura pas de grande utilité du fantôme, je pense. Probablement, et puis il y a eu d'autres problèmes parce que si tu fais rien loin, il a aussi des problèmes de soucis. Un bon 3 jours. Oui. Après, il peut être reflect, mais c'est assez compliqué à prévoir quand même. C'est un coup qui sort plutôt vite. La cache. Il est trop haut pour 100 pour pouvoir faire un petit avec Baron Mackel. On a activé le go, c'est dommage. On va dire. Ouais. Par contre, ça a touché avec le saut. Ouais, on a tapé avec le feu de dain et ça, c'est très fort. On peut dire, pardon. Ça prend très impression de la part de la fenêtre quand même. Ouais, là, c'est ce qu'il faut hein, de toute façon. Il faut maintenir cette pression le plus possible du côté de cette Zelda. Faut pas aller. Et du côté de ce Terry aussi. Et les deux, c'est un jeu de pression. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui va jouer à pression au corps à corps et l'autre qui va jouer à pression à distance. Bien que Zelda gagne la longue distance et la mi-distance va être largement gagnée par Terry, au corps à corps. C'est pas la même. C'est Terry qui va aussi prendre l'avantage là-dessus. Donc, faut vraiment trouver les bons outils pour déjà sortir de l'edge. C'est un pitié. En plus, Terry, c'est un référent des trucs fumés au cas que là, son FT, qui est disjoint, qui est super safe on shield. Il y a le petit double. Alors, par contre, on a trouvé ce petit upper. Du coup, c'est pas loin. Par contre, on a trouvé le go. Et ça va tuer. Voilà. Et c'était bien synchro, le go au moment où le power game a bougé. Super bien trouvé de la part de Nantas, maintenant on est à 110%, on va se faire... Oh le cri de la peur du fantôme. Voilà, ça... On va voir une épée de cette taille venir à toi. Tu sais que t'es mort. C'est vraiment, tu vois ça, tu fais... Oh bah je suis foutu. Mais on se débrouille quand même super bien. Là on est sur la plateforme, c'est très dangereux pour Terry. Elle a perdu son avantage de position, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Hein. Là, la pire chose qui pourrait arriver sur Terry, c'est d'être sur la plateforme à 70 et de taper dans le chien de Zelda parce que. J'ai trop vite. on s'est pris 20 par heure, pardon. Oh là là, c'est bien mixable avec Terry parce que sinon. Le dunk c'est préparé vraiment à la tête. Oh. On a trouvé la dash attack, super. Ouais, écoutez, on va pouvoir revenir sur le plan du côté de la snet, c'est compliqué. C'est tendu, ça. C'est tendu, hein. Pour Zelda, sortir du ledge, c'est compliqué, hein. On a réussi à reprendre le terrain, le smash. J'ai essayé 1-0. C'est ça, 1-0. Incroyable. Parfait. 1-0, c'est vachement serré quand même. C'était vraiment un match très sympa. Setup 6, Albion Azuron. Allez, et ben vas-y, bon courage. C'est bien nous, Setup 6. Allez, merci. Bon courage. Je veux que c'est pas le B dans le temps. Déjà. Le match, bon, déjà, on ne laisse même pas respirer. C'est incroyable ça. Bon, écoutez. Là on va revenir au niveau de cette petite veille, on va mettre la pression. Par contre on a reverse.
Ouais, c'est une bonne idée. Dommage. On s'en sort quand même extrêmement bien du côté de Nantes. Ça, on a déjà mis énormément de pression. 22% qu'il a pris lui seulement contre 139 maintenant pour Asbest. Même si tout à l'heure c'était la Citastock là. Ah, la dash attaque qui va toucher. Ouais. On peut choper cette stock hein, du côté de Nantes. On est en train de se réveiller tranquillement. Là on est en bonne forme. On est en bonne forme. Côté. Okay. Ça. 70%, faut sortir du ledge du côté de Salzenda, sinon ça va être compliqué parce que. Ah, la télé, c'est énorme! En fait, c'est ça qui est le plus compliqué. À partir du moment où Zelda a l'avantage du terrain, ça va vite fait plus vite, mais... On a pris ce B, on a touché le Terry, c'est dommage. Le fantôme de niveau 4 qui va pas toucher. On a voulu tenter un power dunk, on a retenté celui-là, il a réussi, il prend la stock. Et là... Oh, c'est gras. Oh, c'est gras, ça. Le gros buster, pardon. Non, on se prend fantôme, ça pardonnera pas. On a perdu la première save du côté de Mantas. C'était la snipe, il en reste qu'une, on est à 36%. Et là, on est au ledge à 70%, ça va être dur. On a un pourcentage magique hein, du côté de la snipe. Qui sont censés pouvoir s'en sortir. Ah, on a mis un petit. Un petit petit nerf. Grave, fantôme de niveau 3, ça passera pas. La dash attaque qui traverse le fantôme et la Zelda. Le back air, ok. Quoi? Ça touche ça? Non, ça je suis pas. On va revenir à le duck qui est passé et on est à 1 partout. Non, tu bannes pas. Bon, tu bannes pas. Allez. Les mots sont durs. Hein. Les mots sont durs. Ah ouais, carrément. Carrément. Caverne, caverne, caverne. Northern Cavern, Northern Cave, on va prendre du côté de la semaine. Après, on a raison, hein. Ah non, PS2. Ah, publicité mensongère. Flocage, Girolando. On va nullifier ce neutral B. On va continuer tranquillement. Dans une situation compliquée de Trina, il faudrait que quelqu'un cherche la place. Il y en a une map plus grande, hein. Là, on a... qui va être largement à l'avantage d'Aznet, pour le coup. Parce que... Map plus grande possibilité de zoning. Zelda, moi j'aime bien. Hein. Ouais, quand j'ai de l'espace pour donner et péter les burns, avec Zelda, je suis content. Donc pour Aznet, c'est encore mieux. C'est niveau là, ça se sent pas trop et quand même on pas trop mal. On va pouvoir revenir du côté. On va pouvoir essayer de revenir du côté de Nantas. On a le contrôle du terrain. On va revenir à une situation de neutral et on cherche à distance. On cherche à longue distance. On va voir. C'est le premier qui va réussir à toucher l'autre. Le fantôme qui va toucher. Ça va devenir rien. Et là, encore à corps, c'est Thierry qui prend l'avantage. Hein. C'est compliqué. On est au ledge. Ah la défaite. J'attaque pas du bord. Les Zeldas c'est léger, mais c'est exactement dans Derbyon Martin, c'est top 4. Jusqu'à relancer.
Le power dunk est passé. Et on est even stock, c'est juste que 50% du côté de Nantes. Il va falloir les rattraper. Très bonne phase pour un corps. Ça le fait. Mais dommage. Oh le FD de Pichet. On est en train de charger le fantôme. Donc du coup on va te prendre cette petite flamme. Il est petit le bras du côté de Allez Nathan! Là Nantas, c'est je ne veux pas interagir avec toi, laisse-moi tranquille. Je vais interagir avec toi quand le derche. Et là je vais pouvoir taper. Sinon, quand il est loin, je ne veux pas. Il a peur. Il a peur. Donc là, pas simple. Pas simple, pas simple. On a voulu mettre la pression sur le shield. Nathan, tu sais que tu l'as. Le battle shield, donc la stock du côté de la place, on va se reprendre sur le travail bien contre le battle shield. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On voit le projectile. C'est très bon du côté de la Z. On se protège avec le fantôme, on deflecte le neutral B. Donc vraiment à distance, on se protège de Nantas le plus possible. C'est vraiment quand il arrive sur toi que c'est inquiétant. Et encore, le neutral B qui a été utilisé pour nullifier. On a voulu servir la winbox. Non, non, power dunk qui va toucher. Gros slam dunk du côté de Nantas à chaque fois. Et là, on va se prendre la pression. On va réussir à on a voulu tenter un break shield ou... Non, je pense pas. Je suis dessus quoi, il fait un break comme ça. Tu veux dire où qu'il y a son tour? On peut en attendre. Regarde juste c'est là. On est en last game des deux côtés, last game, okay, game 3, on a débloqué le jeu du côté de Nantas. Ah, on se prend le fantôme. Non, ça a dû, c'est dommage. Non, je suis trop comme une salope. Le mec, il a 3 PS2. Oh, je suis tiré, réchaud. Voilà.